vais dans le métro là parce que c'est bientôt la journée de la gentillesse et c'est à moi qu'ils ont demandé d'aller expliquer ça aux gens. Donc du coup il faut que je descende avec mon mégaphone et que j'essaye que les gens soient sympas entre eux. Dans le métro, tu vois, dans le métro parisien. C'est une mission impossible quoi. Et en plus, ils me demandent ça à moi alors que je suis pas spécialement gentil comme garçon. Hein. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai failli foutre une baffe à la boulangère parce qu'elle était trop lente à me rendre la monnaie alors qu'en plus, j'étais pas spécialement pressé. Tu vois, à moi, ils me demandent ça à moi. Je suis le spécialiste du pétage de plomb. Mais bon, je vais quand même essayer. Eh bien, bonjour messieurs, dames, veuillez m'excuser de vous déranger durant votre transport, mais vous n'êtes pas sans ignorer que c'est bientôt la journée de la gentillesse, et c'est moi qu'ils ont désigné pour vous en parler. Alors, pour commencer, mes amis ici présents vont vous distribuer quelques fruits, voilà, parce que c'est toujours sympa de manger des fruits, et en échange, est-ce que je pourrais vous demander de plier vos journaux portables, vos journaux gratuits, et d'éteindre vos portables, histoire de vous regarder. Je dis ça parce que moi je suis assez moche, et on me regarde pas souvent. Enlevez votre appareil, enlevez, voilà, c'est super, et faites un petit bisou à monsieur, voilà, un petit bisou à monsieur, voilà. Voilà, monsieur, par exemple, vous pourriez peut-être fermer votre livre pour regarder la personne qui est en face de vous, voilà. Ah, voilà, exactement ça, la journée de la gentillesse, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. Et on va applaudir les gens qui rentrent dans la station pour leur souhaiter la bienvenue. Ouais, bravo, bienvenue, messieurs, dames, vous êtes super. Ouais, bravo, c'est génial. Merci de rentrer dans le métro, c'est fabuleux, vous êtes géniaux. Ce qu'on pourrait faire aussi, messieurs, dames, c'est éventuellement se donner des bisous. Voilà, parce que quand ma femme est partie, elle m'a fait un bisou, j'ai trouvé ça chouette, mais ça fait longtemps que personne ne m'a embrassé. Voilà, donc embrassez-vous, faites-vous des bisous, voilà, faites-vous des bisous, voilà. Par contre, oh là, s'il vous plaît, là, monsieur, c'est pas ça la journée de la gentillesse, excusez-moi là, monsieur, s'il vous plaît. Non mais oh, la journée de la gentillesse, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Je parlais de l'amour inconditionnel, de l'amitié. Monsieur, oh! Le 13 novembre. Attention aux excès de gentillesse.